Hey Dieu, les petits flocons! Vous voyez que j'ai envie d'accéder à cette porte, mais seuls les téméraires triomphent d'une quête précise sont les bienvenus. Pour cela, nous devons continuer la quête. Alors, pour cela, on parle à Nicolas Noël, c'est pour avoir accès aux boutiques posées qui sont sur l'atelier. En fait, il explique que pour continuer ses activités, il a continué à faire tourner un peu l'économie, et donc il a distribué des camembert au chocolat. Il y a différentes couleurs, il y a des dorés, des... Non, attendez, comment ils appellent ça? Des bronzes, des argentés, des dorés sur les différents monstres pour qu'ils puissent les aventuriers puissent après venir ici acheter des objets dans la boutique qui sont peu chers. On demande pour avoir accès à la boutique. Il nous dit pour avoir accès à la boutique, j'aimerais que tu contribues au bonheur des enfants et que tu construises un jouet. Va voir le petit qui pourrait t'aider à te donner les plans parce qu'il dit qu'on a l'air con. En fait, hein, et tu n'as pas l'air très futé, donc va demander des plans. Et donc on y va. Paf. Pof et puf. Pas mal, hein. Donc là on va en haut à droite voir je sais plus comment il s'appelle. Je me demandais bien que ça servait à quelque chose. Parce que j'avais pas encore parlé. Glukirépirétique. Je pense que c'est en lien avec comment il s'appelle? Glutriculaire. Donc il est chargé lui de faire de construire les plans des futurs jouets. On lui demande un plan, on dit, ah, malheureusement j'ai perdu ma sacoche contenant les plans. Elles sont tombées dans une flaque et j'ai pas l'air de s'en ouiller. Attention, je vous raconte comment elle est tombée, hein. Vous allez rire. Il dit qu'il est passé derrière une ragonade qui a fait un gros pet et que ça l'a fait envoler et il a perdu sa sacoche. Voilà. Est-ce vrai, est-ce faux? Hein? Bon, grosse couillonnade. Voilà, vous voyez ici? La petite sacoche qui dépasse. Tac. Puis là, on retourne le voir, on dit, hey, j'ai ramassé ta sacoche. Dracodan qui lui a pété dessus, le gars. Enfin bon. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'est pas son chef, hein? Il nous ment? Ah ben bravo. Voilà. Que là, on lui rend. Il dit, vous savez dans quel état elle est? Je vais me faire engueuler. Ça vous dérange pas de dire que c'est votre faute? Donc il dit, voilà, pour vous remercier, je vous donne quand même un plan. Il est encore un peu lisible. Allez essayer de le faire à la fabrique à jouets. Il dit, mais on, voilà. Donc en gros, on va dire que c'est de notre faute, hein. Sinon, il va se faire engueuler, lui, toute l'année. Super, super. Donc là, on retourne voir un gars. Ah, j'ai terminé aussi la quête de lui là. J'ai fait 20 fois le tour de l'île, je sais pas quoi. Voilà, ça vous savez. Hein, bon. Donc là, on vient là. Et donc là, pour fabriquer, on va là-dessus. Non, c'est pas ça? Merde, je sais plus. Non, ça c'est emballer un cadeau. Tu te trompes, petit bonhomme. Voilà un cadeau, voilà un cadeau, c'est là? C'est où alors? C'est là? Peut-être? Fabriquer un jouet, voilà. Fabriquer un jouet, pouf! Vous voyez là, le jouet d'enfant, il faut en fabriquer un. Pour ça, il nous faut une baffe de bouffetou, une laine de Ramanstrubien, une ficelle de lanlin et un poil de Millimilou. C'est facile. Fusionner. Tada! Et là, on va le donner au gars en disant, hey, j'ai construit un truc. Je peux aller jouer après, s'il te plaît. Oui, c'est original, bof. Il dit, quoi, les plans, ils sont dégueulasses, c'est de ta faute. Il dit, mais Gluticulaire a dit que tu t'étais bien rattrapé pour ta faute. Et donc, je te lance, donne quand même accès aux ateliers, à la boutique. Et lui, il jette des trucs. Il est ouf. Le gars, il est ouf. Et il jette des cadeaux, lui. Hein. Enfin bon, bref. Tada! Et donc, on a accès ici, vous voyez, à la boutique. Et donc, ce qui est chouette, c'est que bah, vous parlez, achetez. Vous voyez que ici, vous pouvez acheter différentes choses avec les kamas dorés. Ici, avec les kamas argentés. Et je vous laisse deviner, ici, avec les kamas. C'est ça, de bronze. Bien joué. Voilà les copains, on a enfin accès à cet endroit. Cool. Ben voilà, c'est tout. Mais maintenant, on a aussi terminé la quête, les boutiques de Noël. Allez, salut Copilou!